Salut les amis, c'est nous, Xe511, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon serveur. Donc c'est un serveur un peu 7x4, PvP faction, un peu tout. Donc je commence directement à vous présenter avec la balise qui bug de loin. Donc voilà, donc le spawn, il est en dessous là, où tous les joueurs apparaissent. Donc si je fais cette vidéo avant tout, c'est pour vous faire venir. Pour que vous voyez mon serveur et vous dire ce que vous en pensez. Et je recherche aussi du personnel. Donc voilà, le spawn est juste sur ce table là. Voilà. Donc, vous spawnez directement ici. Donc une petite entrée au Nether. Voilà. Donc votre panneau d'affichage pour vous. Voilà. Et celui du staff. Donc il y a moi. Et John Orlando, une personne du staff. Donc on recrute. Donc ici les mini-jeux qui se passent de... excuse-moi pour bug. Se passent à peu près dans cette zone là-bas. Et le Jumpcraft, donc la maison qui est là-haut dans l'air. Donc après nous avons le Hunger Games, la survie et l'arène PVP. Donc pour la survie, si vous pouvez dormir ici, c'est un bâtiment qui a été créé exclusivement. Ouais, bon, j'arriverai jamais à le prononcer. Donc vous dormez ici comme ça, ça marche que pour la survie. Ça, si jamais vous mourrez ou je ne sais pas où, vous avez déjà un point. Donc ici vous avez toutes les règles. Donc je vous présente un peu un donjon qui n'est pas encore terminé. Donc je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo avec des personnes du serveur. Donc nous avons aussi John Orlando, comme j'avais dit, qui fait partie du staff et qui est aussi donc architecte. Donc voici une de ses créations, la maison du staff. Qui est un bouton qui n'est pas là. Donc voilà, excusez-moi. Donc après il y a une tâche de haut, Tropicoff. J'aime bien ces créations, c'est pour ça que je l'ai engagé surtout. Donc si vous êtes administrateur en tout, c'est pour être actif dans le serveur, jouer tout ça, aider les gens. Et pas tout le temps se guiver, donc c'est un truc principal dans sa vie. Donc je devais jouer en survie, à part quand vous faites des constructions. Ou même quand vous faites des giga constructions comme tout ça. Ou quand vous en parlez. Donc là, vous pouvez tout faire. Et quand vous êtes en survie pour votre propre maison, par contre, c'est vous qui devez la créer. Donc le Jumpcraft. Là, on va voir ça. Voici un petit parcours facile. Voilà. Petit système. Voilà. Donc après ici nous avons l'arène PVP. Voilà, on peut se balader. Il y a même encore des restes des gens de la dernière fois qui sont battus. Donc voilà. Quand, si vous avez un système pour que les portes s'ouvrent après le combat contre deux personnes, ça me serait très utile. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Donc après on est déjà à peu près une vingtaine, donc là j'ai juste arrêté pour faire le temps de la vidéo pour pas que les gens soient gênés ou plutôt qu'ils ne veulent pas passer dans une vidéo, voilà, donc je ne dérange pas. Donc voici ma maison. Elle a été créée à partir du bois que j'ai trouvé. Je suis juste flyé juste par le faire en hauteur. Sinon c'est tout du maison. Plusieurs à côté le bois pour les personnes curieux. Une petite armoire fait maison. Je vous montrerai pas l'eau parce que ça marche pas. Je sais même pas si on pourrait redormir là-dedans avec mon système. J'ai acheté. Alors, voyons voir. Alors, je sais pas si je vais y aller vu qu'il y a des blocs en haut ou on voir ce que ça donne. Ah, bah en fait, ça marche. Donc ça marche. Donc la maison que j'ai pas finie encore. Parce que je la fais exclusivement en survie, donc faudra encore un petit peu de bois et des trucs comme ça. Allez, youhou! Donc après il y a le métro. Il se trouve ici. Excusez-moi pour les petits likes, c'est Camtasia, et comme vous savez quand on filme, ça bug assez souvent. Donc encore une fois, une entrée VIP. Donc c'est pour tous les personnes qui sont dans le serveur, administrateur, on va y aller plus rapidement, voilà. Une suite du cours.
Vous pourrez rajouter la pub aussi pour des personnes. Vous allez avoir le droit de créer votre propre entreprise, donc voilà une petite pub. Votre VIP. Ce que j'aime bien, c'est faire ça. Pouf. Ah non, en fait, c'est carrément fail. Donc voilà, nous on est dans une construction libre. Donc à partir de là, il y a un bloc contrôle ici. Vous êtes carrément en libre pour faire tout ce que vous voulez. À part casser, vous pouvez casser, mais pas le bloc où il y a le truc contrôle. Donc là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc en sachant que ça se termine jusqu'à... J'ai pas encore mis des piliers, mais voilà, j'ai fait une petite zone. Parce qu'après, les gens pourront casser vos constructions. Et encore notre architecte qui crée sa propre maison. Donc par contre, là, il l'a pas fait soi-même. Donc je vais laisser juste pour une fois créer sa maison pour voir ce que ça donnait. Donc en sachant qu'il n'y a pas même pas de texture, donc des fois les trucs peuvent être un peu bizarres. Voilà. Je trouve ça pas cette construction. Et en dernier, nous visiterons une pyramide, donc la pyramide de passage secret. Il y en a encore, mais je les ai pas finis, donc je les ai recouverts de sable. Donc celui-là, il donne directement, comme on avait vu, on saute ici. Donc à la zone de staff, donc une zone que vous avez pas accès avant d'être comme d'un VIP. Donc là, c'est pour aller dehors, directement dans ces chemins raccourcis. Donc ici, on va arriver par la zone. Donc toutes les zones du staff, c'est en rouge. Voilà. Pour chanter vos armes, voilà. Donc ça, c'est pas fini, c'est tout, toutes les infos du staff qu'il y a encore à faire. Comme boulot. Donc une arène PVP, ça je pourrais l'enlever parce qu'on l'a construit, voilà. Recrutement du staff encore, et quand ça a marché, c'est pas encore fait. Donc petit spawn du staff. Excusez-moi pour les messages qui a, quand vous voyez préfixe, c'est un plugin que je voulais installer mais je comprends pas grand image, donc si vous avez des informations, vous pouvez me le dire. Excusez-moi. Donc voilà une petite cuisine. Et on va directement, voilà, donc voilà, on va directement vers l'entrée du nether. Je sais pas si je dois reboucher, je l'ai pas encore bouché, ça fout, je l'ai. Que je le rebouche. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo tout simplement pour vous montrer à peu près qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est enflammé? Je comprends pas pourquoi s'enflammer, c'est quoi cette lumière? Oh, c'est enflammé de... Je ne sais comment. Alors là, je suis surpris. Surtout si ça me mange, j'ai pas compliqué pour moi. Ben, je me demande quand ça brûle. Alors, là, le grand mystère, un bug ou je ne sais quoi. Il n'y a aucune lave pourtant dans le coin. Voilà, donc... Et pour finir ma vidéo du serveur, je vais vous montrer une petite maison que j'ai découvert. Donc une personne qui joue souvent sur le serveur. Donc je sais pas s'il est là, mais je vais pas le déranger. Parce que même moi, je peux le tuer, même si je suis en game mode. Voilà. Je sais pas si vous souhaitez. Non, voilà. Est-ce qu'il est là? Je sais pas, donc voilà, il a créé sa petite maison. Je vais pas vous montrer ses cups et tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer mon serveur. Donc si c'est ce skin là, c'est un peu bizarre parce que normalement j'ai un autre. Donc on se retrouve pour un prochain épisode pour faire une vidéo avec vous. Ou tout simplement avec des administrateurs ou des constructions. Donc il y aura des cours, plutôt des concours de construction. Donc j'attends de vous, de belles constructions. A plus !